Peu avant la cérémonie solennelle d'investiture du président élu Mohamed Bazoum, le président de la République sortant Issoufou Mahamadou l'a reçu au palais de la présidence pour la traditionnelle passation de pouvoir. Une rencontre très simple mais hautement symbolique, car il s'agit de transmettre au président élu, avant sa prise de fonction officielle, les tout derniers dossiers de la gestion de l'État et de la nation. Un tête-à-tête entre les deux hommes de plus de 30 minutes avant qu'ils ne rejoignent le centre de conférence internationale de Niamey. Ce sont là les toutes dernières images du président de la République Issoufou Mahamadou au palais de la présidence. Arrivé au centre Gandhi, le président Issoufou Mahamadou s'est entretenu d'abord avec le vice-président du Conseil de souveraineté de la République du Soudan. Puis, une rencontre avec l'ensemble des chefs d'État présents à Niamey pour la circonstance. Après la cérémonie d'investiture, les chefs d'État se sont retrouvés dans la salle de banquet de l'hôtel Radisson de Niamey pour déjeuner avant de se dire au revoir. Plébiscité par ses pairs pour son courage de ne pas briguer un troisième mandat, félicité par le président élu pour son leadership, la confiance et la loyauté qui ont caractérisé leur relation de plus de 30 ans, le président Issoufou Mahamadou a quitté la salle la tête haute avec le sentiment du devoir accompli.